Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, exceptionnel, une petite nouvelle vidéo du jeu qui s'appelle Love is Feudal. Alors, c'est pas un nouveau jeu, mais c'est un jeu qui est sorti en 2015. Et j'ai connu ce jeu dans une époque où j'ai déjà fait plus de 2000 heures sur ce jeu. Aujourd'hui, j'avais très envie de rejouer pour voir si les choses n'ont pas changé ou pas. Et aussi partager avec vous. Parce que je me suis dit que j'ai vu sur YouTube, on n'en voit plus des jeux, ce jeu, on n'entend plus parler en fait. On entend beaucoup parler sur MMO en multijoueur. Et du coup, je me suis dit pour jouer tout seul, je ne veux pas me prendre la tête avec les MMO. Donc pour l'instant, je fais le mode solo. À voir si je continuerai toujours à jouer ou pas en attendant. Donc avant de commencer à jouer, vu. Normalement, au début du jeu, on n'a pas tout de suite la grande et la maison. Donc du coup, j'ai dû jouer en GM, j'ai dû terraformer le terrain plat et j'ai dû installer gratuitement pour démarrer plus facilement. Et le reste, on fera tout en ancienne. Donc du coup, ce jeu, c'est vraiment un jeu très réaliste. On peut faire beaucoup de métiers, des combats, des artisans pour évoluer tout ça, les chasses. Piter les animaux, récupérer de la peau, les faire tanner. On peut faire beaucoup de choses. Construire des châteaux forts aussi. Mais bon, faut pas trop rêver parce que ça demande énormément de ressources et ça prend des heures pour jouer. Donc, pour jouer à ce jeu, je vais essayer de stimuler des jeux pour entre 30 et 1 heure par épisode. Parce que de toute façon, pour jouer, ça dure très longtemps. Donc, pour que j'arrive à faire les transferts sur YouTube aussi, donc ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, on va commencer ensemble, vu que j'ai déjà fait une partie. Donc, il y a un terrain à aplatir encore. Donc ça demande beaucoup de boulot. Au niveau de la nourriture, je sais plus si j'en ai encore avant de commencer. Non. J'essaie de comprendre un peu comment on fait de nouveau. Regardez l'inventaire. Alors ça, je vais le mettre ici. Ok. Par contre, je vais juste pas faire un paramètre sur la vidéo. En plein écran. On va juste les mettre en plein écran. Oula, ça c'est pas bon du tout. Attends, c'est celui-ci. Voilà, c'est déjà mieux. Parfait. Alors. Non, pas porté. Regardez l'inventaire. On a un peu du saumon, c'est ça, ouais. On a un peu de viande. On a un peu de nourriture, ça c'est parfait. Comment on fait? On va faire comme ça. Ma barre de santé, c'est le rouge, comme vous voyez en bas à gauche. On a la barre de l'endurance en jaune. Et la barre en vert, c'est la nourriture. Plus qu'il diminue, plus qu'il faut manger. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire un peu du bois. J'ai juste regardé un peu ce qu'il me faut pour monter les compétences. Je me suis appris que je suis bloqué, apparemment je peux pas aller plus loin. Il faut que j'augmente ma connaissance de la nature. Pour augmenter, il faut que je fasse les racines des herbes. D'accord. Donc, du coup, on va faire ça. On va se mettre ici. Il fait un peu jour. On va chercher matériaux. Ok. Non.
Du coup, pour ce jeu, j'ai paramétré pour avoir tous les métiers hein, et les combats. Parce que je peux pas faire une partie parce qu'il faudra des joueurs. Donc là, j'ai fait au maximum que je puisse jouer tranquillement avec tous les métiers sans me prendre la tête. Alors, on va récolter. Du coup, ça manque ma barre, oui, effectivement. Ça, c'est quoi, du silex? Ça me rappelle des bons souvenirs de ce jeu, même sur un moment avec des grands combats. C'était magnifique. Mais non, ramasse. Non, bah ça c'est pas ramassé. Ah si, ok. J'aimerais bien qu'on fasse un champ quelque part, parce qu'en fait j'ai tout le terrain ici. Mais ça ne sera pas aujourd'hui parce que ça prendra des heures, des jours, des années dans le jeu. Alors, on va refaire la manipulation. Je vais voir si on peut mettre un peu de musique. De la musique. Allons voir. Je pense que ça va venir. Voilà. Comme ça, on s'ennuie pas. Comme le jeu, il est très réaliste. Ça prendra des heures pour avancer une petite chose. Donc je mets un peu de musique, comme ça vous ennuyez pas. Alors. Y'a plus rien? Ah si. Les frondes, on va récupérer parce qu'on en aura besoin. Attends. Ah oui, ok. Comment ça fonctionne? 70, apparemment. Non. 30. Normalement, ça devrait marcher. Le récolter des plantes sauvages. Utiliser une paille pour labourer, verser de l'eau. Chercher des plantes sauvages. Récolter des cultures. Cueillir des cotons de verre de soin. Ok. J'ai pas l'habitude avec ce jeu, ça fait tellement longtemps. On va faire ça. Ah bah genre. Ok. Dans l'entrepôt, j'ai beaucoup de terre et j'ai gardé les meilleures qualités pour le jardin. Donc forcément, oui, ça prend beaucoup de place. Non. Comme vous voyez, ici, je suis à terre fertile 100%. Ici, j'ai 60, ici, j'ai 70, 80, 90. Et ici, j'ai 42, 50. C'est pour voir, pour démarrer, pour essayer d'avoir de la bonne récolte en début du jeu. Donc, j'essaie de pas le perdre. Ça, on va le mettre ensemble. Ça. On va le mettre ici. La fronde, on va les ranger de côté. Pas que ça prend de la place. Voilà. Comme ça. Que je voulais faire? Je vais voir un truc. C'est qu'on peut faire aujourd'hui. Construire.
crois que c'est ça. Alors. Ah oui, on n'a pas tout ça. Ça, il faudra qu'on fasse aussi. Oui, le fourneau et le four à poitrine, ça, je me souviens. Ça, on peut pas le faire. On en aura besoin. Petit établi, c'est trop tôt. Par contre, poulailler, on peut le faire. Un ruche. Ça, il faut qu'on regarde comment ça fonctionne. Je pense qu'on va commencer le four à poitrine et le fourneau. Par contre, il faut de l'argile. Ok. Pour commencer, je vais me positionner un peu vers ici pour l'instant. Hein. On peut qu'on peut. Construction. Fourneau. Oh bon. Ah, j'ai pas mis un marteau en main. Équipé. Construction. Fourneau. Voilà. Nickel. On va faire un deuxième. Comme je me souviens, le jeu, il en faut deux, ça suffit largement. C'est pour faire fondre les minerais dedans. Et les fours à poterie, c'est pour faire des tuiles ou du verre. Et je crois que c'est aussi pour faire du charbon, si je ne me dis pas bêtises. Alors, four à poterie. Voilà. On va déjà commencer ça. Par contre, je vais juste un peu baisser les volumes du... des objets. Normalement, c'est un peu moins fort. Alors, ce qu'il nous faut, 25 d'eau. Ok. Je crois que j'en avais un peu dedans. Ah ben, j'en ai pas assez. On va déjà... J'ai pris. Oui. Allez, on va chercher de l'eau. Du coup, il faut... J'en avais 12. Donc, ça fait quoi? 15, 14, 13, 25, 30, 32. On va aller jusqu'à 35, ça suffira largement. Non, faut que j'aille complètement dans l'eau. Maintenant, comment tu fais? Ah, voilà. J'ai compris. Si vous avez des questions ou quelque chose à me conseiller, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Pourquoi pas, on est la bienvenue ici. Activité générale, je suis au niveau 30. Ça, c'est bien. Faut que je regarde ce que je peux faire. C'est ça l'activité? Non, c'est pas ça. J'ai pas compris. C'est quoi, c'est ça? Non. Activité générale. Artisan. J'ai pas trop compris ce que c'est. Ah d'accord, c'est ça en fait. De l'heure, cueillir de carottes, allumer du feu, approuvé, d'accord. Et à 60, ça fait quoi? Rien du tout? Ok. C'est pour gagner des endurances, d'accord.
Plus tu montes les levels, plus tu nages beaucoup plus longtemps, plus vite. La vitesse maximale en portant, ça c'est intéressant. Et prier. Ah, il faut qu'on fasse un idole. Ça c'est quoi? Des tableaux. Ok. Ah. Je vais mettre un peu moins fort. Enfin, c'est un peu trop fort la musique. Par contre, ici c'est bien, on a un vaste terrain immense qu'on peut tout aplatir, mais on est loin du minerai de fer, des pierres, de la montagne, et l'argile se trouve juste de l'autre côté là-bas. Donc vu qu'il y a un peu de trajet à faire, mais je regrette rien parce que je sais qu'ici je peux faire beaucoup d'avantages. Plus tu évolues, plus on aura un champ, des arbres, des choses. On aura des calèches et bientôt on aura des chevals. On pourra faire beaucoup de choses. Mais pour le début du jeu, c'est un peu compliqué. C'est normal. Hein. C'est ça le jeu. Hein. Alors, ça c'est bon. On va faire celui-ci. Par contre, il manque. Ça, ok. Et celui-ci... Non. Attendez. Non, c'est pas inspecté. Contraire l'objet. Ah bah, il faut de l'eau. On va essayer d'en... Combien il m'en manque? 30. On va juste chercher 30 eau. Comme ça, c'est fait. J'espère que ça... Non, ça, c'est pas ça. Voilà, celle-là, c'est mieux. Allez, on va attendre 30. Tant que ça monte les activités générales, pourquoi pas. Alors, ici, j'aimerais regarder un truc. D'accord. Les cavaliers. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est celui-ci. Ça me donne ça, ouais. Des javelots, ça c'est quoi? Un pot de napla, pour faire exploser. Eh ben. Et ça c'est quoi? D'accord. Mais je vais plutôt travailler sur le frondeur pour avoir l'arc. Ah oui, on n'a pas débloqué. Mais du coup, il faut que j'arrive à 30 pour débloquer, c'est ça? Et ça, c'est quoi? Fantagin. D'accord. On va arrêter l'eau. Voilà. On est dans la région des pinces du dormeur. C'est un très joli nom. Franchement, le jeu, il est magnifique. C'est dommage qu'il faut beaucoup de joueurs pour jouer à ce jeu. Mais ne vous inquiétez pas, on peut aussi jouer en solo si vous êtes cool, tranquille pour jouer. Quand j'ai commencé, j'utilise le GM pour aplatir les terrains parce que ça prend une éternité. Donc voilà, c'est pas trop grave. Mais ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut un peu fibre, c'est ça, hein. Là, il m'en faut 10, 30, 40. Ok, on va faire ça et après, il manque que de l'argile. On va juste mettre un peu plus loin pour éviter que ça apparaisse sur mon chantier. Alors, rechercher matériaux, c'est parti.
Ah, c'est déjà fini, j'avais pas fait attention. Alors, moi je ramasse tout ce qui est sur le chemin, parce qu'on sait jamais, on aura besoin pour éviter de recourir. Par contre, c'est pas évident de trouver. Justement, il y avait un truc ici qui montre l'emplacement. Je sais pas qu'il y en avait dans ce jeu ou pas, je me rappelle plus du tout. Un sort comme pour piquer en fait les choses. Je sais pas si on peut le faire ou pas. Attends. Comme ça? Non, c'est pas ça. Non. Je sais plus. Je sais pas s'il y a une touche pour mieux voir. Ok, c'est très compliqué à voir quand on ne voit pas bien. On a bientôt faim. On va essayer de manger. C'était bon, hein, le poisson. Hein. Allez, on va juste récupérer ça. On va récupérer ça. Ah, bah, j'ai encore du filet. Pourquoi pas? Non. Alors, de la fibre, juste là. Du silex, toujours, il y en a besoin. Pas évident à voir ça, c'est dingue. Hein. J'adore la musique médiévale. Connaissance de la nature, je suis déjà à 73. C'est un bon début. À 90, j'ai quoi? Vous pouvez localiser les herbes vierges sur les parcelles actuellement et des herbes fraîches sur un rayon de 2 parcelles et des herbes communes sur un rayon de 4 parcelles. Vous pouvez récolter des herbes vierges à la qualité allant jusqu'à 100. Ça, c'est pas mal du tout. Mais bon, les qualités, on verra un peu plus tard. Il y en a combien là? À mon avis, il faut 30. Hein. On va juste regrouper tout ça. Voilà. Alors, 28, on est bientôt à... Ah. Allez. On continue, là il y en a une, j'en ai encore deux devant moi. Allez, on refait. J'en ai acheté des silex. Hein. Allez, de la
fibre. Là, j'en vois 2, 3, 4, 5. Oui, c'est parfait. Et du coup, ça me donne combien? 3. D'accord. Je crois que c'est indépendant, hein. J'ai combien là? 3 fibres. Ok. Et là, 3 fibres encore. D'accord. J'avais dit où? Là. Combien? On m'a pas dit. Ouais, c'est un petit bug avec la fenêtre. 3 fibres. Ouais. Par contre, il y a trop de... bon, c'est pas grave. On est bon. Allons vérifier. Oh oui, largement là, on est à 57. Après, on va prendre la charrette, on va aller chercher de l'argile. Je ne pense pas que j'en ai gardé dans la cabane. Je suis pas sûr. 10 et là. 19, non, c'est bon. Ok. On va juste déposer tout ça tranquillement. Ici. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Ah, attends. Comment on fait pour séparer? Ah, voilà. Je sais plus comment je fais. Voilà. On va juste garder 10. Au cas où. Pour réparer. Ça, on t'en fout. Ok. Alors, j'ai quelque chose dedans ou pas? Un peu de terre, c'est pas grave. Déplacer, magnifique. Ah oui, j'avais oublié que ça va pas vite en fait. Et c'est quoi? On va faire autrement. Parce que c'est un peu loin quand même. Lâcher l'objet, on va faire comme ça. Ok, on va se déplacer, on va remplir l'inventaire, on va prier et ça va réapparaître à la maison. Ça va aller plus, un petit peu plus vite comme ça, parce que là on va mettre trop longtemps pour y aller. Par contre, j'ai pas créé une arme. 10 fibres, c'est une blague. Faut surtout pas que je meure. Heureusement, je connais un peu les endroits. C'est déjà bien. J'ai toujours rêvé faire un château sur une île. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'eau à traverser. Et trop de terre à jeter. Donc, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et vu que je joue tout seul, alors on en a pas besoin. Une fois qu'on a fini ça, on va s'occuper des arbres. On va récolter, on va monter les niveaux. Comme ça, on va tout replanter. Des arbres prêts. Comme ça, on a du bois en fait de la base. Parce que je ne vais pas m'amuser à faire des allers-retours. Et surtout planter tout de suite des pommiers, ça c'est très bien aussi. Qu'on a des fruits. Et pour nourrir les animaux aussi. Si je me souviens que dans le poulailler on peut mettre des poules et des lapins aussi. Ah, non, ça c'est pas de l'argile, non, c'est là-bas. Que les deux collines. Donc les poules, ils mangent les pommes, les choux, un peu tous les légumes, fruits, c'est pas de souci. Par contre, les lapins, je suis pas sûr. Je crois qu'il manque que des carottes.
Voilà, il y a une grosse carrière, mais c'est un peu loin quand même, mais bon. Allez, on se dépêche. De toute façon, on peut pas aller plus vite. C'est parti. Alors, je vais commencer par ici. Augmenter, baisser le terrain. Voilà, c'est ça. Sent en argile, d'accord. Et du coup, ça fait beaucoup en inventaire. Ah oui, quand même. Qui déjà quasiment plein. Est-ce que je peux bouger comme ça? Là, je suis à combien? 180. On va voir. D'accord, ça s'arrête à 240. Du coup, maintenant, je vais prendre la touche 8. Comme c'est la barre en bas, il y a une maison, on fait une prière. Et normalement, ça sert à apparaître à la maison directement. Avec mon inventaire. Par contre, ça marche pas avec les charrettes, hein, faut pas oublier. Oula, j'ai... Ah oui, d'accord. Ça me retrouve sur le toit de la maison. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai augmenté la prière. Ok, cool, cool. Donc du coup, ça c'est fait. Maintenant, le deuxième. Ok. Et le dernier. Ah oui, d'accord. Il va falloir qu'on retourne. Est-ce que je peux déjà récupérer les prousses ou pas? L'écorce et branches. Non. D'accord. Celui-là, il est en qualité 6. Donc c'est très mauvais. C'est pas bon. Il faut de la bonne qualité en fait. Plus t'as des bonnes qualités, plus t'as plus de ressources pour recouper après dedans. Ah, j'ai des pommes. Un pommier. Je vais voir. HPC. Et la qualité t'accentue, c'est déjà un bon pomme. Donc du coup, ça te donne 3 pommes, une poutre de pommier. Est-ce que je peux récupérer une branche des pommes? D'accord. Je sais pas comment on récupère pour faire replanter. Connaisseur de la nature. Je sais pas. Est-ce que c'est les branches qui donnent? Non. Je sais plus. Non, c'est pas ça. Et si je récupère de l'écorce? Je crois que c'est de l'écorce, non? Par contre, la barre de l'alimentation, ça descend vite. Hein. Ok, apparemment, c'est pas comme ça. Je sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave.
On va trouver une solution. 76. Ouh, celui-là, il est super bon. Faut que je regarde dans les tableaux des compétences comment faire. Tellement j'avais un cheval, c'est très bien. Ah, c'est déjà fatigué. Allez, on continue. Pourquoi tu as arrêté? Ah d'accord, j'ai pas mis... Ok. Il y a combien de qualités? Ok, ça va encore. Ah. Normalement, ça devrait suffire. C'est parce que j'ai des bronches et j'ai plus de place. C'est parfait, c'est bon. Du coup, le marteau, je suis équipé, hein, normalement. Construire. Oui. Pourquoi il l'a pas fait? J'ai pas compris. Je suis trop devant, c'est ça? Non? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas construire? Qu'est-ce qui se passe? Construire. Quelque chose m'embête. Vos constructions ont été augmentées. Ah voilà, ça marche. Mais j'ai pas compris pourquoi l'autre a pas marché. Magnifique. Et le dernier. Pourquoi il ne veut pas des chantincans 40, 30, 30. On a tout qu'il faut. Ah oui, d'accord. L'argile, elle a baissé. En fait, ça se fait en plusieurs fois. D'accord. Ok. Normalement. Le dernier, d'accord, j'ai compris. J'avais déjà oublié. Magnifique. Ok. Ça y est, ça c'est un bon début pour moi. C'est super. Alors, aujourd'hui, je vais juste voir dans les compétences par rapport pour planter. Je sais pas comment on fait de nouveau.
forestier. Récolter une pousse, voilà, c'est ça. Planter un noisetier, planter un génébrier. Je crois que c'est un arbre. Bah, c'est ça. Un boulot épicéa. Ok, pommier, il faut être au niveau 60. D'accord. Et ombre chaune, il faut être à 90, carrément. Ah oui, ok, ça rigole pas. Alors que juste ça qui m'embête, c'est quoi les problèmes? Labourer les sols. Attends, on va faire un truc ici. Je vais mettre... labourer. Allons voir si ça marche ou pas. Est-ce que je perds des vies, les outils? Oui, ça a fonctionné. Ah, je peux réparer. Ah, il faut un kit. Ok. Je croyais qu'on pouvait réparer. Du coup, c'est bon. J'ai débloqué des pousses, noisetiers et genévés. On va essayer de trouver ça quelque part. Et je sais pas que je voulais faire. Oui. Ce que je voulais faire, c'est un... ma clème, je pense que je vais la planter ici, un petit peu plus loin, je crois. C'est pas une obligation, mais je voulais faire découvrir un peu un style autour. Je vais faire des potagers autour avec des barrières et quelques arbres de pommiers. Ça très bien. Par contre, ici, il y a du boulot. Hein. Ouais. Mais ça, je m'occuperai en mode GM, je me fais pas chier, vu que tout tout seul, donc on va pas prendre la tête. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur les pousses et trouver un noisetier quelque part, ça très bien. Comme ça, on a des noisettes pour se nourrir. Alors, on va pousser, c'est ça. On continue. Ok, ça augmente, c'est super. Il a combien? 4. Ça c'est nul. Qualité 1. C'est nul. Alors, du coup, normalement, je peux pas me planter parce que j'ai pas les niveaux. Qui en est bien d'accord. Comment ça fonctionne? Je crois que c'est labourer et planter. Hein. Si je me dis pas bêtise. Là, c'est ça, semer, créer, non, utiliser non plus. Non, c'est pas ça ou quoi? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Un pépé. Touche. Attends. Un boulot épicéa. Et après, ok. Je crois que je peux plus récolter, hein, non? Non, ok. Ça, c'est un pommier, hein. Ok. Ça c'est bien, il y a des pommiers ici, ça c'est cool.
Mais pour l'instant, il n'y a pas des pommes. Ok, c'est pas grave, tant qu'on récolte. Ça, on va le mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on a ? 20. Ok. Ah, il y a des pommes. Je vois des pommes là. Ou c'est des feuilles. Non, c'est pas des feuilles. Tant pis. Ah, j'ai fait une bêtise. Ok, tout est pourri ici. Ouais, ils ont pas de la bonne qualité ici, c'est pas grave. Tant que ça me fait monter les compétences. On est à 28. C'est plutôt pas mal. Ça on va garder, ça c'est nul, ça c'est nul et ça c'est nul. Ah, il y a un problème. Ça n'a pas été augmenté. Parce que j'ai pas avancé l'avant. Je crois que c'est ça qu'il faut que je augmente pour pouvoir continuer. Ah, ça m'embête. Ah, du coup, ça veut dire que je peux que planter des. Donc ça sert à rien. Labourer et trouver des graines simples. Comment je fais pour trouver des graines? Quelque chose de comestible. C'est ça, non? J'essaye de me rappeler, de comprendre le jeu. D'accord, ça me donne des champignons. Connaisseur de la nature, donc c'est pas ça. C'est ça, non? Je sais pas à quoi ça sert les champignons.
Ok, bon, c'est pas ça. Alors. Chercher des plantes sauvages. C'est peut-être ça, à mon avis. Ah, c'est intéressant. Il faut la fossile. D'accord. Équipé. Alors ça, attends. Ça c'est quoi? 33. Ça on le garde. 32. Ça c'est bon et ça c'est pourri. Ok. Du raisin, ça c'est cool. Carotte. Ah oui, génial ça. Mais comment on fait pour avoir des graines? Une carotte. Ah, ça monte en agriculture, ça c'est bien. On continue. Mais j'ai pas compris comment on fait pour replanter. Manger, manger. Ah, j'ai eu des graines, des blés. D'accord. J'ai pas très compris, mais on va voir. Des oignons. Ah oui, il est difficile à voir, hein, celui-là. Là, j'en ai du lin. Ah, c'est marqué graines de lin. Non. Et raisin, ça me donne pas des graines. Quand je vais faire comme ça, je vois mieux ou pas? Non, je vois pas très bien. J'ai des pois. C'est quoi ça? Un aliment pour les animaux. D'accord, intéressant. Ça c'est pour faire du vin et ça c'est pour faire de la cuisine. Et carottes c'est aussi pour les animaux. Et ça, je sais pas ce que c'est. Et les champignons, aucune idée qu'on peut faire. Des recettes, d'accord. Surtout de la recette, ok. Le pain, on va la manger. Ah oui, ça recharge bien la barre. Hein. Oh, des choux. Et pour les animaux, cuisine et animaux, d'accord. Pourquoi pas? Non. Là, j'ai du lin. Non, il n'y a plus rien. Attends, on va refaire. C'est du boulot, hein.
Ah, ce niveau 50 en agriculture, c'est bien. On va essayer d'y arriver à 60. Les pois, les genons, c'est pas évident de les trouver. Je comprends pas la... Ah, c'est ça la différence. D'accord. Non. Ça demande beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup de graines. C'est dommage. Agriculture, je suis dépassé à plus 60. Ça, c'est bien, ça continue. J'ai dit que le début du jeu, c'est un peu la merde, mais bon. Il faut avancer une bonne partie et après, on sentira beaucoup mieux. Alors. J'ai peut-être oublié celui-là, non? Celui-là, non? Je vois rien du tout en fait. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, je fais une dernière, après j'arrête. On va faire autre chose. J'ai dû louper quelque chose avant. Ah, des pommes de terre. J'avais pas eu celui-là encore. Ici, j'ai des petits pois, j'ai du lin juste devant moi et j'ai quelque chose encore devant moi et du lin d'après. Non, ça c'est du raisin, ok. Quoi, j'ai encore trouvé du lin à côté. Non, c'est pas du lin. Non, c'est pas du lin. Je crois que je suis allé un peu trop loin des mâches jaunes. Ah. Profitons. Alors, c'est compliqué, hein. C'est pas
pas évident de trouver comme ça. Mais après, ça n'ira mieux une fois qu'il est planté dans les champs. C'est plus facile. C'est tout? Ok, bon, allez. On va se vider l'inventaire. J'ai peut-être besoin de faire un nouveau sac. Je crois que je vais faire un sac pour faire le, pour mettre la nourriture. Alors, créer un campement. Une boîte en écorce. Oui. On va plutôt les approcher vers là. Construire. Est-ce que j'ai de l'écorce ici ou pas? J'en ai 12. 5. Et du coup 17. Et il m'en manque encore un peu. Vous voyez pourquoi les légumes séparent? Regardez. Là j'ai une graine de blé pour qualité niveau 30. Là j'ai 11 graines de qualité 10. Donc celui-ci est beaucoup plus intéressant que celui-ci parce que ça va me donner plus de quantité de graines que celui-ci. Celui-ci j'en ai 8 en qualité 10, donc c'est très bas, mais en début du jeu t'as pas le choix de toute façon. C'est pareil pour les carottes, quand tu vas récolter, tu plantes des graines de carottes au niveau 30, et bah tu vas recevoir une carotte d'une qualité 30. Et celui-là c'est une qualité 10, c'est trop bas. Ça c'est plutôt pour nourrir les animaux, et les bonnes qualités c'est plutôt pour faire la cuisine, pour avoir un meilleur rendement de nourriture. Du coup, de l'écorce, oui, il m'en manque. On va déjà mettre celui-ci dedans. Par contre, je vous dis de débarrasser mon argile parce que ça prend de la place. On va la mettre ici. L'eau, j'en ai pas besoin. Bon, ça me gêne pas. Ça, par contre, on va les garder. Je vais les mettre à l'intérieur. Je me demande si je peux la mettre en bas. Oui, allez, on va les mettre là-dedans. Ça, on garde pour planter. Attends, non, j'ai pris le mauvais. J'ai pris le mauvais, c'est pas celui-là. Tout ça, je vais le replanter pour récupérer un peu du bois. Ça me dérange pas. Et ça, on les met près de notre base. Voilà. On va récupérer de l'écorce. Je pense que je vais aller par là. Pour avoir un cheval, il faut faire quoi en fait? Apprivoiser. Ok. Vous pouvez élever des petits animaux à l'intérieur, les poulaillers. Vous pouvez nettoyer les poulaillers, les grandes, les écuries. D'accord. Au niveau 30, vous pouvez élever des animaux dans les granges. Ok. Et au niveau 60, vous pouvez dompter les plus gros animaux. Apprivoisable, ça c'est plus intéressant. Et pour élever des animaux dans des grandes écuries, je me demande si c'est pas ça. Et ça c'est quoi, un bonus de plus de 10% de chance pour approvisionner. D'accord, il y a du boulot hein. Il y a du boulot. Ah, on est dans la région du forge du dormeur. Celle qu'on a construit, on est à la dent du dormeur, je crois. Alors, les l'écorce. On va récolter. Il m'en faut pas beaucoup. Je crois qu'il y en avait 17. Donc ça fait 18, 19. Encore un, c'est bon. On va laisser finir. Ça me fait monter l'artisanat.
C'est bien, ça me fait un peu de toc. Il y a combien là? Ah celui-là, 9. Cool. Ah ben non, il y en a dedans. 12, carrément. Je me demande c'est quelle qualité cet arbre. Cool. Attends, je vais inspecter pour voir. 39. Ah oui, oui, oui. Là, forcément, il y a une bonne. C'est une bonne. Ah non, c'est les pins du dormeur. C'est pas la dent du dormeur. Je me suis trompé. Ok. Non. Voilà. On entre la construction. Magnifique. Allez, on dépose tout ça. On peut pas envoyer rapidement, non? Ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Faire comme ça. Ça, on va la mettre ici. Les pommes. Celle-là, on va la manger. Celle-là, on va la mettre là. Les pommes de terre. Ok. On est plutôt bon. Ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, on a fait ça, ça, ça. J'ai besoin de quoi? Je sais plus. Attends. Non, ça, ça fait quoi? Un sac couchage, mon bon, ça, je m'en fous. Créer des meubles, non? Ah, oui, d'accord, ça demande beaucoup de choses. Hein. Ah, c'est ça. Non, c'est pas une cible. En fait, je cherche un mannequin. Il faut des plans, de la toile, fibres végétales et cordes. D'accord. Celle-là, j'en aurais besoin pour faire monter les labels. Je me demande pourquoi je peux pas construire. Un banc. Et quoi? Une caisse. Ah, ça c'est intéressant. On peut la poser ici. Il faut une scie. Ah mais je l'ai pas encore. Ok. Attendons, je vais réfléchir. Non. On va continuer les pousses. Il faut que j'arrive à planter des arbres ici. Parce que là, on est trop loin. Est-ce que les compétents, ils peuvent monter ou pas? Normalement, oui. Il faut qu'on arrive à 90. On va essayer. Si on arrive. Je peux faire créer, non? D'accord. On va récolter, non? Une pousse, oui. C'est nul.
Ce qui est nul. Qui est nul. Deux, carrément, qui est nul. Ouh, celle-là, elle est belle, hein. Celle-là, elle doit être belle. 78. Alors, ça, c'est bon. Par contre, il y en a 7 pommes, 2 pouces. Celle-là, on va la récupérer. On va la mettre ici. Ah, t'en m'as donné 35. 36. Allez, on va la mettre à 35, ouais, c'est bon. Récolter les pommes. Ah oui, 5. 6. Cool. Allez, on continue. On peut pas balader avec... C'est nul. Trente-sept, ça c'est pas mal. Trente-huit, c'est pas mal. C'est un bon début. Je sais pas que j'ai reçu, mais... D'accord. Il est nul. Ah, celle-là, il doit être intéressant. 40, ça c'est pas mal. Ça c'est nul. Ah, celui-là aussi. 41, un peu plus. 39, 40, 41, ça c'est pas mal. Attends, c'est quoi la différence? Ça c'est un peuplé et ça c'est un boulot. Un pain. Ah, les pains, c'est surtout du bois tendre et du bois dur, je me souviens. Il faut impérativement regarder ça. Ouh, 41, pourquoi pas. C'est un bon début. Ça, c'est un bon début. En boulot. C'est magnifique. C'est pas mal. C'est plutôt génial. Aspecté. 46. Ouh, celle-là, elle est bien. Un peu plus. C'est celui-là, non? Ouais. Ah, je l'ai déjà pris. On va faire comme ça. Ça, c'est nul. C'est nul.
C'est nul. C'est nul. Par contre, il y avait une bonne qualité ici. On va regarder. Là, c'est nul. Waouh, 94. Alors, celui-là, je suis obligé de les prendre. Il est où? Il est là. Là, j'ai quoi? 44. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, en compétence forestier, je suis pas encore à 90, donc je pourrais pas récupérer la totalité en fait. Donc ici, il faut que je fasse un panneau. Un rappel que cette arme, il faut que je revienne récupérer dès que je suis au niveau 90. Ou même 100 pour récupérer un bon level. Je vais faire créer un campement. On va mettre... ouais, on va mettre ça. On va juste faire comme ça. Voilà. C'est un rappel que si ici que j'ai une bonne qualité. 63, ça c'est pas mal. On va récupérer. Ça c'est pour le bon début pour planter. Ok, ça c'est pas mal. On va récupérer. 8, on t'en fout. 10, c'est nul. Ok, et celui-ci. 32, c'est pas si mal, mais bon. On va essayer de les récupérer. De toute façon, je peux pas planter les chênes pour l'instant. Ok, c'est nul. Ouh, alors celui-là, il est intéressant. On va faire un panneau. Ok. De côté les pouces. Tu vois, 93, mais j'aurais pas 93. J'aurais 46. Parce que je suis trop bas. Mais c'est pas grave. 47, 40, 39, 41. Ok, on va reprendre par ici. 41, je sais pas qui j'ai déjà pris. Ah bah j'ai déjà pris. On va aller un peu plus vers là-bas. Nul. Nul. J'ai dit au début c'est très chiant, mais bon, une fois que tu as des bonnes quantités, des qualités, pardon, tu la plantes et tu les reproduis, il faut surtout pas oublier de récupérer les pousses avant de couper l'arbre pour permettre de replanter. Hmm. 32, on va essayer de les prendre. C'est pas grand chose, mais bon. Oh, celle-là, elle est magnifique. Créer un campement, on fait. Quand tu es à 93, il faut surtout mettre un panneau. Comme ça, quand tu joues dans le jeu, tu vois un panneau. Ah oui,
récupérer les pousses. Non. La contraste là, je vais les dégager. Je veux pas prendre la tête. 49, mais bon. Je vais juste récupérer de l'écorce. Je vais faire un panier pour mettre tout ça dedans. J'essaie de retrouver les informations entre le bois dur et le bois tendre. Alors, pour le bois tendre, il faut que on utilise de l'épicéa, des pommes, le mûrier et les pins. Et le reste du bois dur. D'accord. Ça, c'est intéressant à savoir. Ok, allez, on va... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des pains. Ah, il y a des pommiers ici. On va juste vérifier la qualité. C'est pas mal. Je vais récupérer. Pommier, j'ai combien? 35. C'est celui-là? 50. 50 en pommier. Et celui-là, j'ai combien? 35. C'est pas grand-chose, mais c'est pas grave. Par contre, attendez. Je vais juste récupérer les pommes. Ça, j'aimerais bien débarrasser. Ça me servira à rien pour moi. Ok. Il y a un autre pommier ici. Non. Celui-ci, c'est combien? 31. C'est pas grand-chose, mais non. Je veux garder les pommiers 50 pour l'instant. Il faut surtout que je trouve un noisetier, mais je crois où savoir où le trouver. C'est pas sûr, mais je vais devoir. Par contre, j'ai jeté un truc. Voilà, ouvrir. On va jeter tout ça. Je vais pas le garder. Voilà. Nul. Comme par hasard. Comme par hasard. On va mettre. C'est pour moi, pour me rappeler. Ok. Pousse. Alors, ici un boulot. Combien? 51. C'est un bon début. Plus qu'on monte les labels, plus qu'on va avoir les bonnes récoltes quand on reviendra de nouveau. Faut pas trop rêver au début du jeu, vous verrez tout puissant. Faut pas croire. Hein. Par contre, là, ça m'intéresse, c'est là. On dirait des beaux pommiers ici. On va vérifier. Alors, commençons par celui-là. Nul. J'ai quoi, des pommes? Non. Celui-ci. Deux. C'est nul. Par contre, celui-là, il est peut-être intéressant. 94, vous voyez ça, c'est... Oh, c'est trop bon. Créer un campement. Mon petit rappel. Comme ça, je reviendrai quand j'aurai un bon level.
Récolter les pommes, bien sûr, et après les pousser. Par contre, qui m'inquiète, je pense qu'avant de faire un champ, je crois que j'aurais besoin de la terre. De la terre forestier. Pour fonctionner la plantation, à mon avis. Ça, c'est embêtant. 52 en pommier. C'est plutôt cool. Et c'est là, on a combien de 50? On a un petit peu plus que l'autre. Cool. Celle-là, elle a l'air morte. Par contre, celle-là, elle a une belle couleur. Celle-là aussi. Oui, c'est pas si mauvais. Je vais juste récolter les pousses. Il y en a quoi ici? 37, 38. Et là, on a un bon 48. C'est déjà bien quand même, franchement. Celle-là, allons voir les chênes. 50, c'est pas si mauvais. Je vais récolter. Si on arrive à repartir sur la moyenne 50, franchement, c'est magnifique. Parce que là, j'ai combien? 32, vous voyez. J'ai même pas eu un autre. Et celle-là, j'ai 50 plus poil. 3. Allez, ramène-moi beaucoup. Par contre, celle-là, je pourrais pas y planter. Non, je pourrais pas y planter. Donc, il faut être à 90. Là, il y a un beau pommier encore. Celle-là, elle a l'air belle. Celle-là aussi. Je vais juste jeter un coup d'œil. Non, on l'est tombé. C'est que c'est ça, un érable, je pense pas. Je m'en doutais. C'était lequel? Celui-ci, elle est magnifique. Celle-là aussi, on dirait. Elle a une belle couleur. Est-ce que je m'en doutais? Je vais quand même mettre un panneau. On va juste récupérer les pousses. Et après, il va falloir retrier. On a combien? 54. Ça, c'est bon. Et là, un petit peu plus. 55. On a gagné un point de plus en qualité. Et l'érable. Montre-moi comme elle est belle, celle-là. 64. Allez, on récupère. Il est où? Il est là, non? Attends, j'ai pas vu. Ah, il est là. Ah, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok, alors, j'ai vu un pommier ici, il a l'air beau. Non, on va pas la prendre, mais je vais récupérer des pommes. 3 pommes, c'est pas bon que, mais bon. Ok. J'avais dit un autre, non? Je vais voir celui-là. Celle-là, elle a une belle couleur. 81. C'est du bon, c'est du bon. Cool. Alors, avant de rentrer, j'aimerais récupérer de la terre. Attends, j'ai dû vérifier. Est-ce que c'est de la terre forestier? Terre fertile? Non, j'ai pas ça.
il faut vraiment de la terre forestier. Qu'est-ce qu'il a, j'avais vu ou pas? Oui. Ici. Là. Inspecter. Terre des forestières. Qualité 43. Ça, c'est pas mal. Attends, on va regarder. Le fleur gris 43. Et celui-là, c'est combien? 33. C'est du fertile. 47. Oui, et c'est ici. 54. Encore mieux. Non, là ça va plus. Ici. Non plus. Alors, ici, ça a l'air pas mal. Et ici. 51. Ok, c'est pas grave. Pelle. Baisser le niveau du terrain. Et on récupère un maximum de terre. Parfait. On va juste l'été. Je vais juste aller aux toilettes. C'est bon, je suis là les amis. Alors, je pense que je vais mettre un panneau ici pour moi. Que je puisse revenir et récupérer encore de nouveau. Ok. Allez, on lance la prière, on se retrouve à la maison. On commence à avoir beaucoup de panneaux partout, c'est bien ça. Oui. Alors, avant de faire, j'aimerais qu'on fasse... Ici, j'ai prévu d'agrandir encore. Ok, comment je veux faire? Alors, ce que j'aimerais faire, c'est planter mes arbres que j'ai, une de chaque différent espèce. Et je mettrai un grillage autour qui me permet de pas toucher en fait. Je veux dire pas le couper, mais que récupérer des pousses à sa fin en cycle. Qui permet de replanter dans les champs. Derrière, je pense, j'ai prévu de faire le jardin là-bas. Ici, je vais faire une vague de forestier ici. Comme ça, on est juste à côté. J'aimerais mieux à travailler ou alors vers ici. Non, je pense que je vais plutôt faire derrière, c'est mieux. Alors, on va essayer de faire ça. Par contre, au niveau du terrain, il est un peu merdique. Ouais, c'est un peu merdique derrière. Je pense que... Ouais, c'est un peu un terrain merdique. Et quoi? On va commencer par ici. Attends. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais t'enlever ça. Je pense que je vais planter ici. Augmenter le niveau du terrain, oui. Et je vais juste vérifier que j'ai pas de la terre sur moi. Ok, c'est bon. Qu'on va faire? On va commencer par ici. Et je vais juste vérifier ici si j'ai pas 10. Ok, c'est bon. On va faire
comme ça. Planter un bouleau épicéa. Ok, on va juste retourner derrière. Est-ce que je peux passer par ici? Oui. Par contre, moi qui m'embête. J'aimerais faire un. Ça, pour le. Les plantations des forestiers. Pour éviter de tout mélanger n'importe comment. Et j'aime bien quand c'est trié. Non, on va faire comme ça. 12, j'espère que j'en ai encore dedans. Ah bah j'en avais encore, attendez. Magnifique. Alors, j'avais dit quoi maintenant? Je sais plus qu'il me faut derrière. Mince. Je peux planter quoi en fait? Épicéa et bouleau. Ok. On va trier, on va prendre le plus haut en qualité. Bouleau et épicéa. Alors. Boulot. Le boulot. Ça c'est quoi? Pousse d'érable, on les met là. Ça, ça va ici. Dorme aussi. Pommier. D'érable, oui c'est ça. Érable. Pommier. On va faire comme ça en colonne, en ligne pardon. Peupler, c'est pas encore. On va essayer pas de mélanger. Ça c'est quoi? Boulot. Boulot. Ça, ça va là. Ça. Comme ça, ça on met là. Ça, ça va là. Par contre, il manque une place, on va la mettre ici. Dorme, dorme ici. Il faut faire le tri. Alors ça, ça va ici. Les bouleaux aussi, les pommes. Ça va, hein. On a quoi qu'il faut. Par contre, c'est ça, non? D'érable. Ah, j'ai pas pris le. D'accord, attends. C'est bon. On va juste virer les pommes. Voilà. Maintenant, on va sélectionner 55. 54, 45, 44, 43, 42, 51. Donc c'est celui-ci qu'on garde. Et tout ça, on pourra les planter. 49, 57, 55, 50, 56. 57, 56, tu sais quoi? On va planter celle-là. Vu que. Ah non, attends. Celle-là et celle-là. Ok. Et là, je peux faire en deux fois et celui-là en une fois. Je sais plus que je vais faire.
En fait, il faut que je l'enlève de l'inventaire hein, parce que quand je vais planter, il va me prendre au hasard et c'est pas que j'ai envie. Donc, on enlève et on les récupérera après. Pour finir, ça, on va mettre là. Ok. Oula. Ah, je suis plein. Ok. Ah oui, carrément. On va la mettre ici. Allez, on va commencer. Je vais mettre un deuxième ici. Utiliser la paille pour augmenter les terrains. Oui. J'en ai deux. Et maintenant, on va planter. Attends. C'est quoi? Oui, le boulot. Boulot, boulot, boulot. Voilà. Magnifique. Allez, on continue. Ah, c'est vrai, je peux le coller en fait. C'est quoi, on va les coller. On va pas s'embêter. Planter un boulot. Et les derniers. L'épicéa. C'est si je passe. C'est quoi, c'est... Ah non, un érable, pardon. Ah bah oui, c'est vrai, je me suis trompé. C'est de l'épicéa qu'il faut mettre. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On a de l'épicéa, ça c'est des pépés. Dorme, chêne. Contre-boulot. On n'a pas des épicéa en fait. Ah, je pensais pas qu'on... Bon bah... On va déjà planter ça. Je croyais qu'on avait des épicéa. Je savais pas. Bon bah... Je me suis confondu quelques plantes. On va les garder. Du coup, on va essayer de les planter ici. Mais j'ai besoin de la terre. Ah bah oui, il faut de la bonne terre. Tu sais quoi, on va pas s'embêter avec ça. On verra ça plus tard. J'ai dû vérifier. Forêt de terre, oui, c'est ça. Non, c'est pas augmenté, c'est baissé. C'est ce qui m'embête, on va faire beaucoup de voyages. On va commencer par ici. Parce qu'il faut que j'aplatisse tout au niveau 5
et un pour le pavé. Là, du coup, je vais la mettre ici. Augmenter. On va faire des lignes sans prendre la tête. Planter. On va faire un boulot. Premier. Maintenant, on continue. Ok. Du coup, il m'en faut 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, il y en a encore. Hein. Augmenter les terrains. Donc ici on a du bois dur. Maintenant il faut qu'on trouve des épicéas pour faire du bois de tendre. Parce que là pour l'instant on n'en a pas du tout encore. C'est embêtant. Allez, on retourne. Est-ce qu'il y a de la terre forestière ici ou pas? Non. On va aller plus vers là. Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux continuer? Bon, on va essayer comme ça. Allez, on continue à planter. Et que planter des arbres, ça augmente ou pas? Normalement, oui. Oui, ça augmente. Sur le level 60, oui. Parfait. Voilà, du coup, regardez ce qu'on peut planter maintenant. Vu qu'on est arrivé à 60. Je vais juste vérifier, planter maintenant. Ah oui, bah c'est bon. Je peux planter les rettes. Les pommiers, je peux faire. Les pépés. L'érable. Ah ben voilà, l'érable, c'est bon alors.
Ah bah on va s'occuper de ça. Il va falloir qu'on arrive à trouver un arbre en pin et en épicéa en bonne qualité pour finir. Mais ça ne sera pas aujourd'hui de toute façon. Alors, il me reste 4 encore. Du coup, on a planté quoi? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, il reste encore 4. On va essayer de les rattraper. C'est un bon début. Franchement, c'est un plus bon début. On va y arriver. Pelle, baisser, on y va. On va baisser celui-ci, j'ai dû vérifier. Oui, tout va bien. Attends. Baisser, ouais, c'est ça, pardon. Non, je croyais que c'était pour augmenter, mais c'est pas que je voulais. Je crois que c'est 250, non? Je sais plus. Je crois que c'est au maximum là, non? Ouais, je m'en doutais. C'est 210 de terre. Alors, on fait augmenter. On va aller jusqu'à 4 et après on revient par derrière. Ça c'est les derniers, les restes on l'utilise par là-bas. On va juste finir avec ça, planter. C'était quoi de nouveau? Un boulot. On continue. Encore deux. Voilà, maintenant on va juste poser les deux terres tout de suite. Quand c'était ici. Augmenter, on va déposer tout de suite ces deux là, comme ça c'est fait. Ah, peut-être encore un, non? Ah oui, je m'en doutais, c'était 30. Voilà. Donc on va s'arrêter aujourd'hui, on a fait pas mal, une bonne aventure aujourd'hui. On a vu un peu pas mal des choses. Et faut pas oublier que ça prend très très longtemps pour avancer les jeux. Donc franchement ça me dégoûte pas, mais je suis très content que je fais. Je vais juste un peu manger avant de partir, vu que j'ai faim. On va prendre ça. C'est ce qu'on a là, des arènes grillées.
manger. Ah bah, on va reprendre encore un. Truite grillée. Voilà, la barre elle est pleine. Bon les amis, on va s'arrêter. Je pense que je vais continuer avec cette vidéo. Franchement, je suis pas dégoûté, mais je suis très content que je fais. Avec un peu de musique du fond du jeu, on s'ennuie pas trop. Donc voilà. Allez les amis, on s'arrête aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des idées ou des questions. On est là aussi. Et un coup de pouce bleu sur la vidéo aussi, pourquoi pas. Allez, je vous dis ça à la prochaine. Ciao.